L'opposition togolaise a une fois manifesté pour inciter le gouvernement à procéder à des réformes. Il s'agit de la limitation des mandats, le mode de scrutin à un tour de la présidentielle et la nomination des juges de la Cour constitutionnelle. Le président Fornia Simbé, qui est en poste depuis avril 2005, vise un troisième mandat. Les églises protestantes et les évêques ont appelé aux réformes. Nous savons que la communauté internationale, représentée par les ambassadeurs, Sada Akédé et Lomé, ont demandé aux réformes. Tout le peuple togolais demande les réformes. Vous savez également que UNI bloque les réformes à l'Assemblée. Or, le chef d'État avait dit que les réformes se feront à l'Assemblée. Même si le droit communautaire dans l'espace CEDEAO interdit tout changement des dispositions électorales à moins de 6 mois des échéances, l'opposition entend manifester chaque vendredi jusqu'à obtention de gain de cause.